1er janvier 76, ça c'est une date que j'oublie pas, Moujotte m'a dit, écoute, c'est toi qui l'as voulu, cette émission, si tu peux nous démontrer que c'était la bonne solution, ben tu y vas. Qui était capable de faire de l'info et de l'animation. Cette émission de 6h à 9h, c'était bien sûr un journal évolutif toutes les demi-heures, adapté à la clientèle de cette heure-là, par exemple, à 6h du matin, aux gens qui prenaient le travail dans les 3-8 ou bien à Boulogne-Billancourt chez Renault. Et en revanche, on faisait à 8h un journal des cadres. Est-ce que l'Iran et l'ayatollah Khomeini, dont vous avez dit qu'ils avaient atteint deux objectifs importants, ont condamné l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan en disant que c'était une atteinte à l'indépendance? Mais ça, c'est l'affaire de Khomeini, ça. Khomeini, c'est pas un communiste, il raisonne pas comme moi, cet homme-là. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Oui, je ne suis pas... Vous posez une question qui ne s'inscrit pas du tout dans le débat. Dans votre raisonnement. Mais non. Étienne Moujotte au micro. Nous sommes leur premier contact avec l'information et de cette façon nous donnons le ton. Le contenu des informations à la radio le matin inspire le contenu des journaux télévisés le soir. Première question, on a longuement parlé hier soir de ce qui pourra se passer au lendemain de l'élection. On a évoqué des scénarios possibles. Ma première question, ma première demande de précision est simple. Si vous êtes élu dimanche, êtes-vous tout à fait sûr d'avoir une majorité au Parlement? En êtes-vous si sûr? Merci, M. Moujotte, de me poser ces questions. Au lendemain de l'élection présidentielle, naturellement, je serai assuré d'une majorité, puisque les électeurs français se seront exprimés deux fois. Expliquez-vous sur Europe 1, ce matin, expliquez-vous Jean Le Cannou. Dernière question, Jean Le Cannou, et c'est la plus méchante. Est-ce que, oui ou non, vous allez être, vous et les réformateurs, les godillots de Giscard? Oh, en effet, c'est une épouvantable question. Mettait en cause le ministre de la Justice lui-même. Dans le 6h-9h, il y avait bien sûr des pubs, il y avait des journaux toutes les demi-heures, mais il y avait aussi de la musique et il y avait un jeu. Je disais alors, pendant les pubs, je disais, mais Philippe, pourquoi vous souriez pas? Même s'il y a des mauvaises nouvelles derrière, pas trop grave, quoi. On dit bonjour avec un sourire, ça aide quand même. Voilà, j'ai appris ça, pas grand-chose d'autre. Les chemins mènent au Rhum, 15e épisode. Nous avons donc quitté, vendredi, les héros de tous les chemins mènent au Rhum, alors qu'ils avaient réussi à échapper à la terrible Simone Veil au Grain. À bord d'une chaloupe... Non, on a dit un chalut. Commençons pas à faire n'importe quoi avec le scénario. Bon, très bien. Bon, pardon, donc à bord d'un chalut. Non, en traitant les exigences des travailleurs du feuilleton ont augmenté. On veut être à bord d'un brick. Nous retrouverons nos héros demain. Que va-t-il se passer à l'hôtel de Lille? Vous le saurez au cours du 16e épisode de Tous les chemins mènent au... Non, maintenant, Rome. Ah, bon. Ah non, va falloir refaire hic. Europe 1, c'est naturel. Europe 1, c'est naturel. Si vous avez entre 7 et 12 ans, si votre rêve est de connaître Disney World en Floride, envoyez vite une carte postale à Jacques Martin, La Vie en Or, Europe 1, 75 300 Paris Brune. Sur cette carte, vous notez votre âge, votre nom, votre adresse, le numéro de téléphone où il peut vous joindre éventuellement, et quelques lignes sur votre vie. Que font vos parents, si vous avez des sœurs et des frères, ce que vous aimez dans la vie, et qui sait, votre rêve se réalisera peut-être. Midi vous sera présenté dans un instant par André Arnault et nous retrouverons à 13h30 Pierre Bellemare.
Une bonne nouvelle pour terminer. Albert Simon nous promet du beau temps pour demain. Il nous promet certes quelques nuages, surtout en fin de journée, mais cela ne devrait pas gâcher une journée d'août qui ressemblera enfin à ce que doit être une journée d'août. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égaré dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des dossiers d'Interpol. J'enregistrais chez moi dans ma chambre à coucher, je mettais un siège style charrue, vous savez, siège en métal, bien, avec des trous dedans. Mais la particularité, c'est que j'étais entièrement nu. C'est tout simplement parce que j'ai toujours été très sensible à tout ce qui gratte, tout ce qui pique, etc. Et je ne voulais surtout pas être dérangé par, vous voyez ce que j'ai, ce genre de choses. J'étais totalement possédé par l'histoire. Donc j'oubliais mon corps totalement. Et pour l'oublier, il fallait que je sois à poil. Voilà. Naturel. 23 octobre 1944, il est 11h du matin. Dans son bureau de la rue Saint-Dominique, le général de Gaulle fait les 100 pas en tirant nerveusement sur sa cigarette. Il attend depuis le début de la matinée des dépêches de Moscou, Londres et Washington. Il attend que ses alliés lui fassent signe. Je voudrais faire une annonce personnelle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Français, Françaises, vous qui écoutez Europe numéro 1 actuellement, ici il fait chaud, on est très bien considéré et on est payé en plus, on n'est pas, c'est pas, on vient pas pour, on est payé. Alors si vous pouviez rire, ça nous arrangerait. Merci. Circulez là. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Et tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous en viendra pas. Salut, bonjour monsieur Dem. C'est Coluche ici avec ses camarades Gérard et Jean-Jean. Bonjour. Et puis Robert Villard qui nous vendra un petit peu de choses comme ça de temps en temps. Alors, dites donc, c'est une émission à faire, maintenant ça s'appelle « On est pas là pour se faire engueuler », puis c'est vrai. C'est-à-dire que on est là pour faire rendu des conneries, trucs comme ça, et alors personne n'a le droit de nous engueuler, c'est formidable. Hein. Comme je ne peux pas vous envoyer à tous un brin de muguet, je vous envoie un petit bout, un petit bout rimé, quatre vers simplement. Les amis, voici des chansons gays qui toutes filent vers les sommets. Avec la grimpette, achetez-vous du muguet car hurra, it's le 1er mai. Hernandez, vainqueur. Jean-Loup. Patrick Hernandez, tout est prêt chez Amélie Darbois et j'espère vous aussi. Vous allez nous aider avant 19h à faire bouger le classement du hit. Turn on the radio. Mesdames et messieurs, bonjour. Après l'orage, les affrontements qui ont failli se produire à Lisbonne, la vie reprend normalement maintenant dans la capitale portugaise. Il est évident, après une certaine confusion hier matin, que le général Spinola a dû céder devant les partis de gauche et les jeunes militaires qui l'ont porté au pouvoir. Il s'est incliné en interdisant la manifestation de la majorité silencieuse, soutenue par la droite, mouvement qu'il avait lui-même suscité. Salut à tous,
aujourd'hui, c'est un Studio 3 spécial que je vous propose. Studio 3 spécial rock français avec en grande majorité des tournages faits par notre équipe. Nous verrons Pierre Chérèze, les Dogs, Jean-Patrick Capdevielle, Sapho, Jean Falissard, les Sax Pustules, Mama Béa et Bernard Lavillier. Alors à juste titre, vous vous demandez probablement pourquoi dans ce Studio 3 spécial rock français, je ne vous annonce pas Trust, Téléphone ou Star Shooter qui sont quand même les trois plus célèbres groupes français. Il y a une raison très simple, c'est que Trust et Téléphone, on les retrouvera la semaine prochaine et Star Shooter était avec nous en direct il y a 15 jours. Revenu de l'armée il y a combien de temps? Il y a un an et demi. Vous n'avez pas trouvé de travail depuis? J'ai pas trouvé de travail depuis, non. Est-ce que vous avez acheté vos armes? Dans un grand magasin de Paris. Quelles armes? Des fusils américains, police américaine. C'est une idée qui vous était déjà venue ou qui est récente? C'est une idée. Tout d'abord, j'ai pensé à me. J'ai pensé à me tuer moi. Depuis une semaine, j'ai décidé de la mettre en pratique demain. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc